Thank you.
pas mal. C'est pas mal. Salut, je suis venu passer un peu de temps en forêt. Je vais installer le camp ici, entre ces deux arbres, mon hamac et mon tarp. Après quoi, je pourrais me mettre à cuisiner un peu. Et si vous le voulez, je vous propose de passer un peu de temps avec moi. Souken, je vais utiliser un couteau que j'ai depuis quelques années, que j'ai pas beaucoup utilisé. C'est un couteau Sami, qui vient de Norvège. C'est Strømeng qui fabrique ça. La société Strømeng, ça s'écrit Stromang. Et comme le O est barré, je crois que ça se prononce Strømeng. C'est pas très important la prononciation. Je pense qu'ils m'en voudront pas si je prononce mal. C'est un couteau qui a la semelle qui traverse ici. On appelle ça une soie traversante. C'est pas un couteau monté plat de semelle, mais pour l'avoir utilisé en utilisation un petit peu bourrin, je sais qu'il fait parfaitement le travail. En cours de route, j'ai trouvé du combustible naturel, de la fleur de chardon bien sèche et des feuilles de fougère, elles aussi bien sèches. Ça brûlera bien. Je vais pouvoir utiliser ça pour lancer mon feu. Puis, pour passer un peu de bon temps sur le camp, j'ai pris du tabac et ma pipe en bois. Une pipe faite avec un morceau de branche de merisier. Et ici, je ne sais pas si c'est du merisier ou du châtaignier. Je pense que c'est probablement encore du merisier, mais aucune certitude. C'est une pipe qui m'a été offerte par ma voisine qui fait des brocantes. C'est son père qui l'a fabriquée. Il a fait le pas de vis ici, le pas de vis là, et c'est une pipe qui s'assemble de cette façon. Évidemment, c'est une pipe sans filtre, donc j'en abuse pas. De toute façon, je suis pas fumeur. Niveau bouffe, j'ai prévu des bons légumes du coin, comme d'habitude, pommes de terre, carottes. Je vais probablement me refaire une purée, comme l'autre jour, j'avais bien apprécié. J'ai pris des dios et du fromage de Chartreuse, le Mont Granier. Vous commencez à me connaître, c'est un fromage que j'apprécie bien, le Mont Granier.
Là, je vais faire mes piquets en bois, tout simplement. Je voulais utiliser la souche comme un plan de travail, mais elle est moisie et le bois est creux, ça rebondit dessus. Et d'un. Je mets la main comme ça, parce que si le bout de bois dérape, je préfère taper dans une partie dodue de la main que ici, qui n'est pas du tout charnue. Bien, me voilà installé. Je vais trouver du bois mort pour préparer de quoi me faire un feu. Et puis comme on est sur une aire de débardage ici, là c'est un chemin emprunté par les véhicules des bûcherons. Je vais faire le foyer de mon feu ici, là au milieu du chemin. Après quoi, je pourrai cuisiner.
Bien, j'ai mon bois pour le feu, les cailloux pour délimiter le foyer, pour faire un foyer sécurisé. Je vais ratisser la terre là, enfin je vais enlever ça. Je vais ratisser la terre ici pour dégager une grande partie au sol. Je vais mettre des cailloux dessous, remettre un petit peu de terre par-dessus, faire mon feu dessus. Là, j'ai des morceaux de chêne qui est humide que je vais pas pouvoir brûler. Ça aussi, c'en est un. Et ce gros morceau aussi. Donc ça, ça va me servir à délimiter le foyer. Je sais que ça brûlera pas. Et puis ensuite, j'ai des bûches. Alors ça, c'est du bois très sec qui a moisi sur pied. Donc il est très très sec. Donc ça brûlera très vite. Alors j'en ai scié un bon paquet. Ah, puis j'ai encore tout ça là. Mais c'est encore un petit peu humide. Il y a des morceaux humides. Donc je verrai bien si ça brûle. C'est pas très grave. J'ai suffisamment de bois sec ici. Avec tout ça, je vais pouvoir cuisiner sereinement. Donc je vais commencer par creuser. Je vais peut-être même utiliser ça pour creuser un peu la terre. Après quoi, je mettrai tous ces beaux cailloux sous terre. Histoire que mon feu ne pourrisse pas le sol. Après ici, c'est une route de débardage. Une route forestière où passent de gros engins très lourds. Donc la terre est bien tassée. Je pense pas qu'un feu abîme quoi que ce soit. Mais dans le doute, je vais quand même prendre des mesures de sécurité. Ne serait-ce que pour respecter le sol et ce qui se trouve dessous. Bien, ça y est, maintenant je suis prêt à cuisiner, ou tout du moins pour commencer à démarrer mon feu. Ici, j'ai toute la partie popote avec la bouffe, les ustensiles, j'ai 2 litres d'eau, 500 g de farine pour faire des chapatis, j'ai un peu de pastis, j'ai une bière petit biscuit, elle me fait rire celle-là, une bière que m'a envoyé mon pote Johan d'Alsace. Donc, salut à toi mon pote, merci pour cette belle bière, j'ai hâte de la goûter. Une bière de tradition, bon, une bière de Noël normalement, mais c'est pas grave. On a perdu quelques degrés, voilà, un bon prétexte. Là j'ai ma petite trousse à opinel, l'assiette avec ma cuillère en bois, j'ai ma lampe frontale qui est prête pour quand l'obscurité va, quand les ténèbres vont nous submerger. J'ai ma popote, ma bouffe dans mon sac à bouffe, j'adore ce sac à bouffe, il est juste génial. Mes œufs, mon sel, mon savon pour les mains, mon huile d'olive, j'ai tout. Tout. Là, j'ai le combustible naturel que j'ai récolté en cours de route. Allez, petit opinel numéro 6. C'est un des meilleurs grattoirs de Fire Steel que je connaisse. C'est juste génial. Et oui, ce bon vieux Fire Steel que j'ai pas utilisé depuis le printemps. Puisque vous avez pu le remarquer, j'ai pas fait de sortie en forêt cet été. Avec les vagues de chaleur, moi j'étais bien que en petit short hyper léger, les shorts de trail running et pareil en t-shirt très léger, et ça en forêt avec les moustiques, c'est jamais une bonne idée. Donc j'ai délaissé un petit peu mes forêts de plaine et de basse montagne pour favoriser les randos en moyenne et haute montagne, et ça m'a fait du bien aussi, ça m'a fait beaucoup de bien de retourner près des cimes, près des marmottes. En combustible naturel, je vais faire une petite base déjà. Hop. Donc j'ai la fleur de chardon, une fleur bien sèche. Je l'ai débarrassée des punaises et des gendarmes puisqu'ils adorent cette fleur. Et moi j'ai pas envie de brûler des insectes, ils m'ont rien fait. Donc aucune raison de leur faire du mal. Voilà, j'ai la fleur de chardon. Alors ça va partir à la moindre étincelle. Et puis j'ai aussi récolté de la fougère bien sèche. Ah, avec la vague de chaleur qu'on a eue, je peux dire que la fougère a bien séché. Et ça va démarrer mon feu
sans aucun problème. Donc on va faire un nid de fleurs de chardon que je vais entourer de fougères. Et puis j'ai mon petit bois là, à proximité. Ça va démarrer sans problème. Ah, la fougère est pas si sèche, j'ai l'impression. Il faut dire qu'on a eu pas mal de pluie cette semaine. On a eu de beaux orages. Ah ouais, sympa comme tout. Elle est sympa. Petite bière de Noël, là. Bière de Noël. À consommer entre 8 et 10 degrés. Il doit faire un peu plus chaud, quand même. Mais c'est pas fou. Et je l'apprécie bien. Merci, mon Johan. À avoir un petit peu de braise, c'est léger encore, hein. Mon feu est parti il y a même pas 30 minutes, les braises va falloir attendre un petit peu pour en avoir, mais je vais déjà pouvoir commencer à faire chauffer de l'eau pour les légumes. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ça va faire une bonne. Ça va faire beaucoup de purée, ça. Je vais prendre deux carottes et deux pommes de terre, deux petites. Voilà. Le reste, j'y garde pour plus tard. Ah là là. Qu'est-ce que c'est bon les carottes. Sans compter que c'est bon pour la santé.
On va assaisonner l'eau de cuisson avec mon petit mélange d'épices et de sel. Voilà, encore un petit peu. Ok, impeccable. Pas besoin de plus. Je suis pas quelqu'un qui mange hyper salé. Là, ça devrait aller. Et il n'y a plus qu'à remettre à cuire maintenant. Et d'ici 20 minutes, je rajouterai deux beaux duos dans l'eau de cuisson. Et donc on se retrouve tout à l'heure. Bien, on va laisser cuire tout ça tranquillement. Et pendant ce temps, pour l'apéritif, je vais finir la bière de mon pote Johan, tout en dégustant un petit peu de mon granier. Ah, je sais pas si c'est le fromage, le meilleur fromage de tous les temps, mais je pense qu'il s'en rapproche. Je pense qu'il n'en est pas loin. Oh là là. Bah oui. Ah, il n'en est pas loin. Ah, j'ai failli oublier. Le plantain. Les feuilles de plantain lancéolées. Ah, ça va pas changer la recette, hein. C'est pas comme des feuilles d'ail des ours. Ou pire, des fleurs d'ail des ours. Mais, puisque je les ai récoltées, autant m'en servir. Depuis que je suis arrivé, les moustiques m'ont pas lâché. Les moustiques tigres, principalement. Je sais pas chez vous, mais ici, on est infesté. C'est impressionnant. C'est la première année que j'en vois autant. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pourtant pas beaucoup d'eau stagnante ici. Surtout avec la sécheresse qu'on a eue cet été. Alors, il y a eu des orages, certes. Mais il n'y a pas beaucoup d'eau stagnante ici, en général. Voilà. Si c'est pas pour le goût, ce sera pour la bonne santé. Bien, on va voir où ça en est. Mais là, à mon avis, je suis pas loin du résultat. Alors pour vérifier si les légumes ont la bonne cuisson, il faut planter une lame de couteau à l'intérieur. Oh, ça sent bon déjà là, hein. Ça sent la pomme de terre et la carotte. Il manque plus qu'une bonne odeur de duo et on est bon. Alors, faut que je trouve un bout de carotte parce que c'est ça qui met le plus longtemps à cuire. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais stopper la cuisson. Le temps d'ajouter deux duo que je vais laisser 5 minutes. Après quoi, il n'y aura plus qu'à sortir et à déguster. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Les diomes ont l'air cuits. Je dis qu'ils ont l'air cuits puisqu'ils ont éclaté aux extrémités, comme ils étaient. Les extrémités étant en contact avec les parois de la popote, ils ont eu très très chaud, ils ont éclaté. Là, c'est pas mal du tout. Et on va essayer de broyer tout ça. J'ai pas de fourchette, normalement, la purée, ça se fait à la fourchette. Et j'aurais dû prendre une fourchette, c'est pas très grave. Si je m'y prends bien, je devrais pas trop en foutre par terre. C'est mal parti. Hein. C'est mal parti. Hop, je change de place puisque le feu persiste à envoyer sa fumée dans une seule direction depuis plus d'une heure. Et ben, c'est moi qui change de place. Voilà, tout simplement. Oh, je vais me régaler. Un bon saucisse purée comme j'aime. J'aurais vraiment dû prendre une fourchette. Hop, voilà, un peu d'assaisonnement et ça devrait être pas mal.
Ok. Un petit peu d'huile d'olive. Et nickel. Et ben, il n'y a plus qu'à se régaler. Donc c'est une purée sans crème, mais à l'huile d'olive. C'est pas mal aussi. On va goûter tout ça. Allez, moi je vais déguster ça tranquillement, dans mon hamac, en regardant le feu. Et je pense même m'endormir comme ça. À demain.
Le chasuble, je vais le garder pour rentrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse. Donc, maximum de sécurité. Ah, ça y est, c'est le départ. C'est le départ. C'était un bon moment. J'ai beaucoup apprécié ces quelques instants passés ici. Ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi de partager ces quelques instants à mes côtés. Maintenant, on va se quitter. Moi, je vais prendre le chemin du retour. Je pars un petit peu plus tôt parce que je me connais. Je vais trouver des milliards de trucs à filmer en cours de route. Et la nature est tellement belle que j'ai toujours envie de la filmer en fait. Voilà. Donc je vais rentrer. Et comme d'habitude, portez-vous bien. Sortez dans la nature. Cet bel écrin de bien-être. Et à très bientôt. Salut.